Ce n'est pas beaucoup à la bisso. Parce que dans le système, il y a code forestier, il va te démontrer un peu avec ses faiblesses. C'est-à-dire que les redevances et l'exploitation, il faut que tu aies une Kinshasa. L'économie de développement, c'est une autre dimension, la dimension sociale. Mais si avec l'avènement, il y a considération, il y a écologie, il y a une troisième dimension, environnementale. Il y a un développement durable. C'est-à-dire que ce soit les économistes, que ce soit les écologistes, il y a un maintien d'équilibre. Or, l'homme fait partie de cet équilibre-là. Ce qui veut dire que ce qu'on considère besoin en Moutou, n'a besoin d'écologie, il y a un écologiste, et là, il y a un monde comme ma biseau, un économiste de développement, il y a quoi intégrer dans l'analyse la finalité à pérennisation. Parce qu'en économie, quand les ressources et comme au Comara, et bien, on a l'économie. Congo, toi, on a forêt. Forêt n'a bisonné. Il y a une forêt congolaise. C'est-à-dire que la forêt congolaise, il y a une forêt où il y a Congo. À ne pas confondre la forêt, il y a bassin du Congo. En a forêt équatoriale. Pour battre ma rocade, sa forêt équatoriale, les forêts où ils ont la province équateur. Non. Les ont un côté. Forêt, il y a province équateur, il y a une forêt équatoriale. Il y a une forêt équatoriale par le fait qu'ils allaient traverser par l'équateur. Il y a une forêt, il y a bassin du Congo. Il y a une forêt congolaise, mais il y a une forêt équatoriale. Mbongo est bongé côté dans l'État, et côté à Raboïté. Mbongo est côté et pose un problème dans la répartition. De conséquence, l'État n'a pas le moyen de sa politique, mais les politiciens ont le moyen de faire ce qu'ils veulent. Ça pose problème. Un autre problème, Ezali, par le fait que nous n'arrivons pas à mettre le Congolais en position à coopérer leur croissance économique individuelle. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission Tolobela Congo, Tolobela Politique, une émission qui est présentée par moi, votre humble serviteur, Trésor King Bukele Kolo Congo, l'héritier de la République démocratique du Congo, la registre Intrépide. Je suis honoré au-delà de toute expression, d'être encore devant vous à travers cette émission, à travers ces nouveaux numéros de l'émission Tolobela Politique, Tosolola, Toloba Politique. Dans cette émission Toloba Politique, aujourd'hui, nous allons parler de la présence de la RDC dans la communauté internationale. Un avantage ou un désavantage pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la population congolaise bénéficie de cette présence et à pays naïe na kati ya communauté internationale. Nous allons encore aujourd'hui Tolobela. Biloko ou etali mboka Congo, parce qu'on dit le patriotisme c'est l'amour de la patrie. Ce qui n'est oyebi patrie na yote au côté ka kolinga yango. À travers cette émission, nous allons vous montrer que ce qu'est la République démocratique du Congo, que contient la forêt congolaise, nini o la forêt congolaise est zanango, nini o esengeli to batela na forêt congolaise, nini o esengeli. Forêt congolaise et peut s'abîmer. Kaka toujours na quatrième mission au Tokolobela, espace hydrographique à Congo et quoi apporter ni n'est pas congolais. Est-ce que les alliés avantages y a bas pays y a communauté internationale to avantage y a République démocratique du Congo. C'est une mission où qu'on permettre aujourd'hui au Lingamboka na Congo au mipe sa penza pour Lingamboka na Congo y a mona singi lito inayo na singi attention na yo vraiment na quatrième mission où je serai pas seul na plateau na ngayo. Aujourd'hui je vais recevoir pour vous un invité de marque, une intelligence. Une intelligence,
une grande intelligence. Oyo, ils ont un service à la population congolaise, un service à peuple congolais, pour éclairer le peuple congolais, que ça allait être le peuple congolais à Tambola, Dengue Sengeli. Je dis déjà un grand merci à l'équipe, grande équipe, il y a Vision News, je vois Gims derrière la caméra, pourquoi pas moi se battre. Et si nous sommes demain chez Gims, nous avons la chance pour nous présenter, inviter nous à Alain Bolotia. On a coupé ça en beauté. Alain Bolodjoa, Oyo Azali, Mokomi, ya livre Oyo, Koloto Kolobela Mingi, Bachane Beleba Kolobela Mingi, Oezali, forêt congolaise, conflit nebulé d'objectifs écologiques et économiques. Nakatina Yangonde, Tokobet, appelé solo, ya. Mboka na biso Congo pona kolinga mboka esengeli oyeba nini oyo mboka na yo ezali na yango mbote kulutu ale bolotwa mbote ndeko na ngai mbote na balandi une fois de plus na présenté mes vœux le meilleur na ba congolais surtout ceux qui sont victimes ya mauvaise gouvernance ale bolotwa ya mboto kota na muzindo ya pasi ya ba congolais le congolais ba osanga biloko na mesa na bango pendant que yango ezali scandale monene ya bomengo ba forêt nango scandale biologique soki peut toke esika nyonso scandale même population nango scandale et ya mboto kota kuna to lukana no to sosola titre ya livre na yo po bato bele ba ko sosola ngote forêt congolaise conflit nebulé d'objectifs écologiques et économiques. Ce qui est en train de se faire, bon, en tout cas, merci. Merci surtout pour l'opportunité. Titre Oana et outil Namakantie Bélé. D'abord, au départ, Tobandaki Kolobela plus sur les aspects écologiques. Parce que ce côté vers les années 2001, le fait seulement que la communauté internationale a Zaki Sekoué par rapport à la montée, il y a pression sur le réchauffement climatique, eh ben, les écologistes ont semblé, ça qui est impression, comme si notre forêt à nous n'avait que pour mission ou pour finalité résoudre la problématique du réchauffement climatique. Mais la carte n'a pas été écologiste, il y a deux postulats. C'est-à-dire il y a l'Iboso Babi par rapport à la préservation et l'écosystème. Moi, l'écosystème, le système écologique, tout ce qui est écologie. Comme écologie, c'est-à-dire ouais. Système écologique. L'écologie, c'est tout ce qui entoure Moutou, tous les éléments autour de bien à l'environnement. Tous les biloko, vivants, les non vivants. Il y a un ce qui va s'engager ensemble, ne va bien l'écologie. L'écologie, tout ça, c'est la plante, la maille, tout ce qui est comme bébé, tout ce que nous vivons avec le microbe, bisoba, tout autre, il y a l'écosystème. Il faut préserver la forêt parce que la forêt est le sanctuaire, il y a banyama ebele. Tout ça, il y a une espèce végétale, une espèce misusu, où ils allaient vivants, net ba microbe par exemple, tout ça, il y a banyama. Hein, c'est ce que nous appelons les ressources fauniques et floristiques. Du coup, dans cette réalité-là, il y a qui va préserver. Parce que les aïna, les espèces, nous allons en voie d'extinction. Bazako bunga. Et l'exploitation de la forêt, le coup des aïna sanctuaires, ils ont occasionné que les espèces bélées. Ils ont des espèces bélées, nous allons en réalité sous-souté. Justement, parce que leur environnement, le milieu de vie, Nabango, et bébaki par le fait que on a créé. Désolé. De manière sauvage, bandété échangée, bien qu'il y ait reboisement et que ça soit difficile parce que l'espèce où ils allaient qui ou un an des banais qu'on favorise, ou qu'on capte par exemple un DT X pour remplacer par un DT Y, est-ce que Nyamawa a fait un rambouk dans l'espace où on a supporté un DT ou un Azika? Parce qu'il y a une idée ou un an. Alors, quand le vent, il y a un réchauffement climatique, il y a. Au niveau international, d'abord une convention où il y a un traité de Makasi, où il y a vraiment le protocole de Kyoto. Et dans le protocole de Kyoto, il y a sur le rôle de la forêt. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les mesures de flexibilité.
justement pour nous permettre à ce que bateau baza qu'on participe à l'atténuation il y a un effet pervers il y a réchauffement climatique ou sinon il y a un gaz à effet de serre et bon qui baba n'a copé ça bango mécanisme il y a qu'on permettre que bango bas se retrouver dans cadre et fort malheureusement la forêt les forêts primaires le forêt sur pied et là qui vraiment classé était bah plus qu'on encourager bateau baza qui n'a pas initiative il y a reboisement. C'est-à-dire que bateau ba mona ki ba kata ki nzete de manière sauvage baza ko reboiser bango baza ki na possibilité ko za ba financement. Il y avait aussi un autre mécanisme mais ki suko bateau baza ko inventer baza ko innover sur le plan technologique pour na ko réduire les émissions à gaz à effet de serre. Et fort malheureusement bateau bazali de puissance industrielle ba koma ki juger parti parce que les Nations Unies dans le cadre la convention des Nations Unies sur le réchauffement climatique Bangonde bazali ba grande puissance, non seulement bazali ba grand contributeur, mais aussi bangonde bazali ba décideur. Et ça risque que bateau ba emeta ki ba gaz na bango parce que le réchauffement climatique ou le forçage radiatif est allé dû par le fait que on a émis des gaz ou est allé résultante il y a industrialisation. Pendant les années. Tous allés na responsabilité moko négligeable. Si go tant on va ko émettre ba gaz, yango siko e bomi et baby si l'atmosphère et même gaz wana tina niveau ya couche ya protection où ils allaient pour réduire le rayon solaire où ils utarana moi parce que sur Otali la température au tout d'un moment moyenne les allaient qui na 15 degrés justement parce que l'effet de serre wana où ils allaient bénéfique pour la nature et comment ils suko et comment ils suko et mataki c'est à dire qu'il y a une couche il y a gaz où ils allaient que ce qui ba émission il y a gaz il y a rayon il y a moye et bete sikana il y a ngoza ko poza ko songi sandambu eza ko col sandambu pour que la température haute ba ina ngo eza la o ezali mais ce que ça nini le col asiko gaz wana et ko kota na ba gaz à effet de serre c'est-à-dire ba gaz wana est renforcé davantage o baza ko benga ba écologie c'est baza ko benga forçage radiatif et renforcer davantage ba effet wana au lieu que moi et chaleur et ko taramukie et comme ce que ko ta sko ebele yango réchauffement climatique alors na kati à niveau il y a ba solution il y a la préservation de la forêt parce que la forêt avec le mécanisme de la photosynthèse yango sko emela kasko ba gaz wana tango lo ba conflit le bilet ça veut dire conflit moko eza bolili o ba to ba ko comprendre te voilà et nini ya molili eza na kati ya conflit bon en fait na kati ya ba théoriciens surtout ba écologistes na certains économistes ba za ko considérer par rapport à la forêt qu'on doit préserver la forêt wana eza ba écologistes ba économistes mususu ba dali centré essentiellement sur la croissance économique ba za ko linga te exploiter forêt. Si ko batou dans le débat ba bimisi lokola ba écologistes et na ba économistes sont en conflit. Mais alors que ce conflit là n'est pas clair. Et ça penza conflit dans sens ne ba ko kanzate parce que entre les deux approches bango tout ba na raison, bango tout ba na tort. Écologiste à lobby to préserver forêt to kate lo côté to te que l'autre ya forêt économique allo économiste allo bi to te ka pour na mbongo e kota ni ce qu'on conflit wana ba to ba ko ebate ce qu'on conflit wana ce que zo bi masko ne ngene so na wo ko lo moi tant ba on ba lo ba déjà au départ ba kan sai qu'il y a un conflit parce que ce qu'on tali la finalité il y a action économique et ali justement pour permettre à ce que ba produire l'exploitation. Et dans l'exploitation, tu as deux éléments dans la forêt. Je classe moi en deux. Tu as dit ba produit forestier ligneux, c'est-à-dire que nous étions dans la forêt en forme agrime, et puis tu as dit produit forestier non ligneux. Si tu as dit que nous étions en abattage, c'est-à-dire qu'il y a une valeur écologique qui est perdue par le fait que nous étions en forme. Mais et longwe na kata nature. Mais le problème c'est que les alli frères alli nini. Tant ba kata les alli na souci à kolinga ko résoudre un autre problème dans l'écosystème mais eux alli ko toucher la pauvreté, il y a population. Ce que ba ngomi ba ba mo être ba na conflit. Et dans l'évolution même il y a ba concept tel que la croissance économique ba ko ba ki ça déjà à partir économie de développement au biso to sali ba ko ba ki ça une autre dimension la dimension sociale. Mais si avec l'avènement, il y a considération, il
il y a écologie. Donc, on a la troisième dimension, on va bien dire environnementale. Donc, on va bien dire développement durable. C'est-à-dire que ce soit les économistes, que ce soit les écologistes, on a posé un maintien et un équilibre. Or, l'homme fait partie de cet équilibre-là. Ce qui veut dire que ce qu'on considère besoin en Moutou, n'a besoin d'écologie, il y a écologiste et là, il y a un monde qui a comme ma biseau d'économie et développement, il y a quoi intégrer dans l'analyse la finalité à pérennisation. Parce qu'en économie, quand les ressources et comme au coma rare, et bien on a économie. Il y a un monde qui a comme ma économiste et ma écologiste, il y a un monde qui a sur cette question. Parce que ceux qui vont mettre caca à l'accent sur l'écologie, la population va mourir. Alors qu'il n'y ait pas de faire partie d'un élément. Ceux qui vont mettre accent sur l'économie, c'est-à-dire une exploitation sauvage, eh bien, ça va créer la désertification. Et quand ça crée la désertification, ça rend rare la ressource forestière. Automatiquement, vous condamnez aussi la population dans la pauvreté. Il y a un autre chose que vous proposez, c'est qu'on légiste milieu, le point d'équilibre. Que ce soit les écologistes, que ce soit les économistes, ils sont tout dans la dimension moko. Ils ont besoin de considérer la pérennisation de la forêt pour maintenir et l'exploitation et la préservation. Donc, il y a une solution, il y a un avantage au peuple congolais dans le conflit. Écologistes, ils ont une bombe forêt, ils ont battu la yango bien. Soit le réchauffement climatique, comme on a été, le tourisme, mingi za peuple congolais te bato ya libanda. Est-ce que ba kosenga to batela yango ko misu na bango esepela point de interrogation ba économiste ba kosenga biloko wana ekatana tango ekatamaka tango etekamaka. Est-ce que na libenga ya congolais na sani ya congolais mayimatali biloko ya zamba wana ekota katote? En tout cas, c'est la question la plus importante où ils ont résumé pratiquement notre démarche en tant que chercheurs en économie de développement. Parce que le mot est allé vrai, ils allaient que la préservation de la forêt n'a pas que le mauvais côté. Ils ont n'a pas côté à Malam et Bélé. Négatolobi, déjà, éco garantit la stabilité, l'existence, il y a pas bien, il y a pas ressources, mais aussi, éco créer opportunité. Parce que nous avons ce que nous pouvons appeler un avantage comparatif par rapport à Badoumsous. Aussi d'abord, dans la forêt, au niveau du bassin du Congo, nous allons à 145 millions d'hectares sur les 200 et quelques millions d'hectares de Tosanango. Et sur les 6 pays où Tosanango, fort malheureusement, l'autre qu'on entend qui est Angola, c'était plutôt le Gabon. Bango, Bazan n'a pas forêt, mais Bazan a forêt Mouké. Nous avons une forêt primaire. Ils ont classé Bissot dans la deuxième position par rapport au monde. Ce qu'on a à l'Amazonie, aux yeux Bissot. Alors, par espèce rare, par espèce endémique au Tosan à Ango, ils ont poussé que bateau par an a poussé à ça à recherche, Bayaka. Nous avons des parcs, tourisme, touristes, Bayaka. Touristes, à niveau de la science, Bayaka. Batubele, Bayaka pour découvrir. Parce que nous avons quelque chose de rare. Mais le problème maintenant, c'est que les Ali, l'organisation, il y a circuit, il y a tourisme, n'est là où poser problème. Parce que au Moni, le tourisme a une forte capacité génératrice d'emplois, mais aussi des revenus. Est-ce que vous avez imaginé, dans un pays local à Kenya, leur économie est allée soutenir essentiellement sur le tourisme, aux huiles, les lots, la force qu'a le Rwanda. Ils allaient par rapport à tourisme, aux yeux Dubaï, ils allaient tourisme, aux yeux Éthiopie, ils allaient tourisme, aux yeux la France, ils allaient tourisme, aux yeux Bamboka et Bélé, ils allaient tourisme, justement parce que le tourisme, ils allaient dans l'eau et au moutaïenne qu'on dépensait. À Koya, à Kozana Posa Billet, à Kokuta Hôtel, à Kolia, à Kosegeye, à Kokenema Passa Bambiance et tout ça. Et dans ces circuits-là, tout le monde aura le moyen. Mais le problème, c'est que Daline, il y a un problème d'organisation. Au niveau à Congo, on n'a pas bien organisé le système. Ma créa les acquis ministres de l'environnement et tourisme, ma Kaboli, pour faire la promotion, il y a tourisme. Tout monaki à une certaine époque, banaki moi comme Matamouké, il y avait un certain, je crois, il était ministre ou vice-ministre, il y a tourisme. À ça qui moi est fort, hein, au bateau il y a origine douteuse. À ça qui moi est fort. Et puis il y a Nani Franck, au beau-fils, il y a Papa Kengo, à ça qui moi est fort. Mais la difficulté maintenant, les Ali, il y a des contraintes. Parce que le tourisme ne peut se faire qu'il n'a pas au Kimisa.
Ce qui fait que l'insécurité n'ango est là qu'a occasionné ma mébélé. Les recettes, il y a tourisme, il faut bako tsarango na caisse de l'État pour que permettra ya ko entretenir le système. Aujourd'hui par exemple, na chaque billet auto futaka. Il y a une quantité qui est dans le tourisme. Il faut malheureusement, on n'a pas une bonne politique. Il y a canalisation à Non, mais évidemment, mais ça va tourisme. Et puis, le Romoussous, il faut comprendre. Le tourisme n'est pas seulement Wana, le tourisme est belé. Par exemple, on peut aussi envoyer nos enfants à Zo. Il y a un jardin botanique. Bien qu'il y ait un Congo, un employé de l'État ou il y a privé, pour que comme maman, si il y a quelque part, il y a un peu prié, un peu à Rosa, à 6 mois. Mais ce qui est vrai, le tourisme est allé conseiller, même pour des raisons sanitaires. Même pour des raisons de santé, il y a un tourisme. C'est-à-dire qu'ils allaient pour une organisation. Par rapport à l'exploitation, la difficulté est aux Alliés. C'est le côté économique. Oui. La difficulté est aux Alliés. Ils allaient que, sur le thème même dans le tableau, dans le livre, il y a l'exploitation. Aujourd'hui, d'abord, notre capacité à production. Nous sommes capables de produire plus de 100 millions de mètres cubes. Il y a bois. Il y a NZT, on a béni NZT, en termes agrimes, pour nous avoir ça, produit nous surtout dans les dérivés, tout ça, la planche, tout ça, la nous surtout tout ça, et tout ça, les meubles, les consorts. Et bien, les circuits, la chaîne, il y a production, ils allient réduite. Ce qui veut dire quoi? On n'apporte pas une valeur ajoutée substantielle pour qu'elle crée plus de richesses. Valeur ajoutée substantielle, expliquez pour et a une valeur écologique. Mais ce qui est kati est comme une valeur économique. Mais valeur économique, il y a une valeur grime. Mais ce qui est moutabaki, si l'écolo est grime, maïel et amoutou naïe est comme une cher. C'est-à-dire, le kobo baki ça, le colo a ce qui est naturel. Il y a une valeur ajoutée. Valeur, il y a être vivant. Oh, tu as une valeur écologique. Donc, le quoi, et le quoi est paiement. Mais attends, on va quartier à l'ombre de la dimension, le quoi est paiement. Et comme il y a le quoi est côté comme. Voilà. Si on est le quoi, on a, et d'ailleurs, si on par rapport à la chaîne de valeur, au bout de ça, les paillets sont au quartier, on a état de grime. Par exemple, net, n'est pas beaucoup en abysso. Je suis en train de me faire un peu de temps. C'est-à-dire que les redevances, il y a exploitation, il faut que tu à Kinshasa. Il y a compétence au gouvernement central. Il y a des taxes, il y a Mickey, il faut que tu niveau à la province. Or, ce sont des ressources, il y a province. Et là, monsieur Ezali, la population riveraine, place Zambé et Zaha, il y a un droit à représenter le cahier des charges. Mais dans le cahier des charges, il y a un mousse, un cahier, un bic. C'est-à-dire que ba mungwa, ba cigarette. Ouais, c'est-à-dire que la valeur ya eloko ba mba ozwa n'a rien à voir avec ce que la population. Or en réalité, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait plutôt se référer na code des investissements. Parce que na code des investissements, il y a l'obligation que chaque fois besoin qu'on va exploiter quelque part, il faut aussi investir dans le social. Centre de santé, les exploitants là-bas ça la monte parce que ça la rendait bas ça la représentation à Bangui à Kinshasa, même au niveau à chef lieu à province, ils n'ont pas de représentation. Du coup, les décisions se prennent au niveau du ministère de l'environnement à Kinshasa. Le permis de coupe et pèse à Maga, toutes les autorisations pèse binotan bo que de coup n'est que bo ça la gaga inventaire tout va bengi zonage bota la gare ici ka oyo bakoy ko exploiter et sili ba pesi no ba frais moko boya ya muke muke na niveau ya division et sili et la province ne constate que ba de bandela tanzete nenge za kolik ba o bénéficier ne lote. Ce qui veut dire que là déjà il y a un problème. Un autre problème est lié par le nini est lié parce que il y a pas des unités de transformation. C'est-à-dire que ceux qui va sala qui par exemple babi au lieu que tout exporter en état de grime
tout ça là-bas produit semi-fini. C'est-à-dire que Namboka kaka ici kawana bakati. Voilà. C'est-à-dire que ba pasoli nzete bato ba koyaka na société on a ku pasola nzete ba ngobe ba zata moins salaire. À partir wana la société passe ba pasola nzete akoza na posa ba tuné ba za na bandako. Bato ba za kawana ba ko luisé ba bandako. Pour que l'économie ait fonctionné normalement. En ce moment-là, la population bénéficie parce que ça va créer des emplois. C'est à nous maintenant de présenter un nouveau paradigme afin que tous soient capables de résoudre le problème. Et lorsque les alliés, il n'y a que la responsabilité de l'État. Parce que ces ressources-là, en réalité, ils ont appartenu à la province. Ils ont appartenu à la tribu. Ils ont appartenu à la clan. Et devant cette réalité, le loi, ou sinon le mesure, au bâtiment, dans le niveau de la gestion et l'exploitation à forêt, il y a une mesure contradictoire. Parce que dans certaines dispositions de la Constitution, il faut que toute exploitation réponde à besoin d'abord de la population riveraine. Il y a au moins, par exemple, un peu cet exemple, dans le secteur minier, le loi a beaucoup mis sa loi là-bas. La loi là-bas a exploité les minéraux. Mais la loi là-bas a profité. Mais Bamboka a exploité les forêts, ce n'est pas le cas. Tout se paie à Kinshasa et la rétrocession a été. Les taxes sont là pour payer ça. Il y a un moment où on va revoir le code minier, justement pour permettre à ce que tout maximiser la profitabilité et l'exploitation. Mais le code forestier n'a pas revoir. Ce qui veut dire que ma population riveraine, place d'indéter Zali, va bénéficier. Elles ont qu'on imaginé et si KO va être endetté, il y a un peu. Et puis, le monsieur Zali, même par redevance, il va foutre. Ils allaient piller systématique. Bon, on a un ministère environnement, va jouer à temps et belé. Et puis, même par exploitant au Bayaka, va foutre à Bambongo pour un reboisement. Mais, Batouana va jouer à Bambongo pour un reboiser. Dans une étika, na Mayombe Lelo. Mayombe Banda, Piro da Mundele. Bakata Banzete. Ce que Moni Banzete, comme on a de plus en plus rare. Parce que pour que la forêt se reconstitue, et c'est un 100 ans. Mais bah ça va continuer comme ça l'abattage et voilà les alités. Aux yeux à côté à plateau de Bateke, il y a une désertification. Et ça là qui coûte à partir à bas projet RED, bas à la possibilité à Kolingasko, Kolingako, Koreboisé, mais échanger nature. Parce que bas zam bandeto et zala qui liboso, na au balone ko qualité. Beaucoup plus qu'on a aidé à Kolona ba Acacia, pour na Kolingako corriger, bas imperfection. Alors que liboso bas zala qui na bas sapeli, bas zala qui na bas même bas Fromosia. Mais aujourd'hui, ils ont sous-été. Merci beaucoup, voilà. Koulou Toualé Bolo. Tu vois, beaucoup comprendre que social, tu peux changer quand on a babilo comme que kaka na zamba. Moto kolongwa lisu mboka ta ya Kinshasa po moto kolongwa mboka ya Kinshasa po kuna ko mona logwa po na mona carton fona kende kuna po bana basonga kela se fo kaye kuna po na somba kite sengeli kuna mais ce qui ndeto ko mona sima silu eko salama. Kuna na silu, simateri de Lukala, eko sa mana Lukala, eko ya deja sima. Donc bato kuna, baza engagé, bako beneficie, nenge moko pena sukali ya kulungogu. Bato bako sala kuna na, sika sukali eko salama, bako zombongo. Nenge pe sengeleza na bamboka nyoso, po to diminye to ya bato koya na Kinshasa. To solola, makambo ya 145 millions d'hectares aux forêts congolaises et zanango. Différence entre forêt congolaise et forêt équatoriale. Pour congolais,
Akuma kaso yoki forêt équatoriale, c'est que forêt na biso. Forêt congolaise, forêt équatoriale, différence ces années. Pour toi, la rapé à bateau. Il y a trois éléments, il faut pas comprendre. La forêt équatoriale, ils allaient forer justement où ils allaient traverser par l'équateur. Ils allaient à Congo, ils allaient en Amérique. C'est-à-dire que l'Amérique du Sud. Voilà. Ils allaient en Amérique, ils allaient traverser l'équateur. L'équateur, c'est de 8 ans, de temps à qui va bloquer la ligne équatoriale. Voilà. Ils allaient traverser l'équateur avec une forêt équatoriale. Mais il y a aussi le bassin du Congo. Le bassin du Congo n'est pas le Congo. Le bassin du Congo, il y a 6 pays. C'est-à-dire que ce qu'on a Gabon, aux yeux Congo-Brazza, aux yeux Cameroun, aux yeux Guinée équatoriale, aux yeux Bissau, vous allez constituer les 6 pays, vous allez constituer le bassin du Congo. Et dans le bassin du Congo, vous allez peindre la forêt. Il y a plus de 200 millions de mètres, 200 millions d'hectares. Ce qu'aux yeux, par exemple, na Congo, tu as la forêt. Forêt na Bissonné. Il y a bien une forêt congolaise. C'est-à-dire que la forêt congolaise, il y a une forêt où il y a Congo. À ne pas confondre la forêt, il y a bassin du Congo. En la forêt équatoriale. Pour battre ma cocotte, sa forêt équatoriale, c'est la forêt où il y a la province équateur. Non. C'est ça, il y a forêt, il y a la province équateur, il y a une forêt équatoriale. Il y a une forêt équatoriale par le fait qu'il y a une traversée par l'équateur. Il y a une forêt, il y a bassin du Congo. Il y a une forêt congolaise, mais il y a une forêt équatoriale. Parce que la forêt équatoriale, il y a une forêt traversée par l'équateur. Et généralement, c'est une forêt primaire. Tout le monde a un livre au Pessiba Valère, il y a une forêt selon la province. Le long du Congo, province, il y a une étendue à forêt monnaie. Bon, le classement, au Congo, il y a le bagage pour la province, il y a Bakata. Il y a la province Bakata. Dans la forêt, dans la province, il y a la forêt à Minene, la forêt dense, il y a la Minene. Et dans la province orientale, il y a la province de l'Équateur. Pour nous, il y a la grande surface, il y a la forêt, non seulement par rapport à l'étendue de l'Ango, mais aussi par rapport à l'espace occupé par la forêt. Et nous, nous avons la province où nous avons la province où nous avons sous-développé parce que si nous avons l'Équateur, même l'Ambé, facteur explicatif et belé. Il y a Liboso d'abord, il y a un problème de gouvernance. C'est-à-dire que le Congo a continué dans la dimension, il y a la politique de développement. Au moins, il y a la politique, il y a essai erreur. On n'a pas vraiment mis sur pied un nouveau paradigme pour que tout arrive et qu'on résout le problème. Il y a aussi un problème, il y a un choix d'animateur. Il y a un peu de justifier dans une certaine mesure. Il y a un problème de culture. Parce que ce que tu as dit, la population ici, la forêt, la nature, et puis ça, c'est un peu. Mais maintenant, ce que tu as dit, c'est que le monde a migré vers le naturel, et tout le monde du naturel, artificiel. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une donne au Bango Bazako intégrité. Tout le monde a une économie à Kayette. Tout le monde a une économie transformationnelle. C'est-à-dire une économie au Bazako basée sur la transformation, il y a des ressources. Parce qu'au départ, il suffisait seulement d'avoir la force physique, la force motrice, pour que la forêt comme la richesse. Moutago Kende, Akuta Inanzete Kauka, à l'Okoti, à Yenango Apelissimoto. À côté de la maison, il y a des gens qui ont été mis en lance, une couleur, une flèche, Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, maintenant, il y a une économie qui a valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans une concurrence. Alors, la migration, il y a l'état nature. Pour que tout comme un état moderne, il connaisse l'état. Parce que là, au-delà de la force physique, il faut ajouter l'intelligence. Bateau, Bazali, dans l'espace, Mingi na Bango sont des jouisseurs. Ils n'ont pas la culture, il y a travail. Travail n'a pas de travail. Mais maintenant, quand la pression à la société est commise, quand l'évolution technologique est commise, il y a un anachronique.
Est-ce que ça te manque à Bakela si non, mais c'est ça la culture. C'est ça la culture. C'est-à-dire qu'il y a c'est ça la culture. C'est ça l'obstacle culturel. C'est-à-dire que les gens vont adapter, vont suivre l'évolution technologique, vont suivre l'évolution en mondialisation. Vous voyez, il y a un moment où on met l'accent sur l'éducation. Ce que mon étudiant le lot, les canis à côté qu'à livre, c'est justement pour nous permettre à ce que tous en bongo, tout briser chaîne et déséquilibre. C'est-à-dire permettre à ces gens-là d'avoir l'information. Parce que mon mouto à la li, à la vivre en vase clos. Parce que la plupart à Batouana, à la vivre en autarcie, involontaire. C'est-à-dire quoi? Bah, qu'on vivre renfermés. Ils sont plus attachés à leur tradition. Or, la tradition est alliée aux antipodes, il y a développement, parce que le développement voudrait assez qu'il y ait une progression en termes, une transformation et la structure sur le plan mental et autres. Bah, moi, ce qu'on va dire, c'est qu'on a préservation ou la conservation. Et en tant que conservateur, ils ne peuvent pas enclencher leur développement. Il faut qu'on mette là-bas, moi, ce qu'on le monde. Ce qu'on met là-bas, le monde, comme on a dit que l'espace géographique n'a pas été, il allait sur la fin du monde, il allait sur le monde. Il y a un carcan, comment il y a une dimension pour pénétrer le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde est comme un village. Tant que vous voyez, par exemple, il y a un peu de temps. Mbaka wana benga ngo a 100. Ba en 100 wana obasaka. Eh ezalo kwa cristal. Ezalo kwa cristal. Soko niki yango obasango basayela ka ba bloko na bangwana ezambaka. Me na mboka basayela ngoni bazu yango bazu ba kasa o ba basayela kwanga ba tie ba pelisa moto pour permettre bango ko tambo na zamba. Et pourtant ça a une valeur économique. Flambeau. Basayela ngo forme à flambeau. Bazui bambakana ba ti pour pela moto penda yango e ko permettre ça plastique so bazui siko ba mbalé yango ba pelisi ba otambo yango bo ouais c'est qui veut dire que ba yebi valeur yango te justement parce que il y a personne qui leur donne l'information. Oh ba torche ezali okobotike lokwa non mais torche ezali torche lokota malembe malembe maintenant le comité mais ande accessible à tout le monde te pile et puis torche pile voilà. Puis les ont posé problème. Un autre problème, ils allaient par rapport à type et à culture. La technique culturelle, na bango, ils allaient dans la technique moins surbrûlée. C'est-à-dire qu'il faut quatre ans d'été, na saison, à Tumbi, après à Loni, soki à Loni, espace aussi à Lonaki, à Tiki. Il faut qu'ils ne go quatre ans sousou, et si comme sousou, parce que pour naie, soki à Loni, si guana, et go bota n'engue ya lingete. Il y a des difficultés parce que on ne peut pas participer à la destruction de la forêt. Alors nous pensons quoi? Si on tombe dans le monde, on est capable d'accueillir dans un seul espace où on peut produire plusieurs fois. Il suffit maintenant d'enrichir le sol. À partir, il y a des éléments qui sont favorables et enrichir le sol. Il y a même des difficultés par rapport à l'élevage. Il y a des difficultés à accéder à un vaccin pour les péter. Il y a un vaccin pour nous dire que dans la période de la saison, il y a ce qu'on appelle le pépère. Le pépère, c'est des petits ruminants. Et il y a même un tabac. Il y a un grippe, il y a un soso, un mabata. Dans la période où on a, il y a comme de plus en plus pauvre. Moi, j'ai 68 tabac. Dans la période où on a 40 koufi. Et pourtant, aujourd'hui, dans la mondialisation, il y a la vaccination. Bango y a un nyamalabango vit en divagation. Bah, ebi système ya ko créer bah en cloté na ko sa ba logis pour na ko boko la nyamana. Ko pesa bango ba aliment non. Bango ba nyamba vit bango moko ndenge ba lingi. Yango moni la productivité na bango ezako kita. Si on leur apporte la technologie, bah ko renforcer maintenant leur capacité productrice. En ce moment là, on va réduire la ligne. Ndengo lobaki a un problème ya exode rural. Le fait seulement qu'il n'y a rien là-bas. Tant que vous avez un score fort, pour vous avoir une fois ou deux fois, ça dépend de la milieu de place, de la famille, de grand centre pour vous avoir soit dans la période de la rentrée scolaire, soit dans la période de la fête, de la grand centre. Ce qui est côté, c'est que la technologie est évoluée. Vous avez une ville, vous avez une voiture, vous avez une table, vous avez une table, vous avez une chemise à bien consort. Tant que vous avez envie, vous avez une vie à un moment qui est difficile. Vous avez un produit qui est belé. Mais fort malheureusement, voie d'évacuation pose problème automatiquement et ça que ça qui va produire dans l'angoisse. Le quoi, ça ressentit qu'il y a ça qu'on fournit plus d'efforts
pour avoir peu de rendement, à quoi préférer Atika village, Ayana naba grand centre, Mbamoko, Exode du Rika, les Salami, Mbamoko, Badakomo, vu en promiscuité, nombre de population, Matina, Ba grand centre. Merci, monsieur. Nous avons voté Kama pour Nabatouba Fanda. Un tout le bel Makambo, il y a espace hydrographique. Espace hydrographique plutôt, où est à l'image. Non, ça fait partie de l'écologie. Mais ça a une incidence directe sur la forêt. Parce que la présence, il y a maille. Et définit ça la nature ou sinon la qualité de la végétation. Là où maille est athée, végétation est athée. Pour t'expliquer, bah tout au bako, sur la biseauté, espace hydrographique, les espaces y a maïs, maloba au contraire. Oui, si quoi, au moins une place maïs allie en abondance, la végétation est allie, et place la végétation est allie, généralement maïs a. Parce que il y a une corrélation directe entre le climat et la qualité de la forêt. Au moins par exemple, les gens à la Kawana, place na Congo, doit na maïs belé et belé makasi. Nous avons déjà un grand fleuve où il cache pratiquement le Congo en deux. Les alliés là-bas affluent et belé. Ils allient vers le fleuve. Fleuve Nabisso déjà par rapport à son débit. Ils allient un atout énorme pour faciliter déjà le transport. Ce côté la nappe phréatique Nabisso. Au Congo, on a que Maï Nabisso d'aller à moins de 50 mètres na surface. C'est-à-dire que l'eau est là accessible. Maintenant, ce que tant avec le fait naturel, où est là que moi est réchauffé maï, l'évaporation maïo et matakawane et kei, et ça que ça là que mboula et betara mingi. Tant que mboula et ça que betara mingi, et ça que arroser, mabele, et ça que rendre humide notre terre, et ça que favoriser maintenant la végétation. Il y a encore mon litoral de Tchaki. Donné sur le zoo, justement pour expliquer la nature. Mais maintenant, qu'est-ce qui se fait? Quand maintenant on commence à couper ta banzété de manière sauvage, ils ont changé nature, ils ont réduit maïs. Automatiquement, ils commencent à désertification. C'est la situation. Non, mais maïs ici là. Le Tchad. Non, ce qu'on cut ils étaient. Et qu'ils étaient là pour jouer sur rôle dans la beauté. Et changer nature. Tant que changer nature, la chaleur est comme à Makassi, maïs est aussi là. C'est aujourd'hui la situation à Tchad. Tchad va aller frapper dans la désertification. D'après l'étude, d'ici 2030-2035, on a un problème Makassi, il y a environnement. Ça, déjà, il y a un problème, il y a Maya Tchad. Même la partie où il y a Sahara, l'espace Ouana, où il y a comme le désert, ils allaient quitter l'espace. Il y avait aussi la végétation. Mais à force déjà de changer nature, il y a un écosystème, et créer un rassuco, il y a une réfraction à maille, et automatiquement, ça crée la désertification. Est-ce que le Congolais peut bénéficier de la maille? Mais pour l'arc le plus poissonné d'Afrique, ce qui est en mémoire bien, les alliés au Congo. Mais les Congolais ont collé poisson de mer. Ni ne ko sale te congolais même biloko ezana mai nae alia yangota eko kende wa pe pas économiste ka non le problème ezali netolobi, il y a un problème de paradigme, il y a un problème de vision, il y a un problème de gouvernance, parce que la situation ya Congo lelo c'est un pays atypique. Vous voyez ko imaginer un pays qui a un fort potentiel et fort malheureusement la population aza ko se retrouver, justement parce qu'il y a des politiques contradictoires. Est-ce que vous avez imaginé que quand on passe à l'Iotobengi, la chaîne de la dépense, il y a aussi une chaîne de la recette. Mbongo et Bongi kota na l'État et kota raboïté. Mbongo et Koti et pose un problème dans la répartition. De conséquence, l'État n'a pas le moyen de sa politique, mais les politiciens ont le moyen de faire ce qu'ils veulent. Ça pose problème. Un autre problème est Ezali par le fait que nous n'arrivons pas à mettre le Congolais la position à coopérer leur croissance économique individuelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le paradigme que nous préconisons, au-delà qu'on propose, ce n'est pas l'État qui va résoudre tout le problème. Mais l'État a qu'à mettre en place des mécanismes essentiels pour permettre aux Congolais d'être capables d'opérer leur croissance économique individuelle. En quoi faisons? Il y a qu'à assainir d'abord l'environnement. Il y a qu'à renforcer capacité managériale, capacité capitalistique.
il y a qu'au créer l'esprit entrepreneurial afin que le Congolais soit capable, il y a qu'au produire. Tant que Waza Kolinga produit pour lui, il produit la richesse pour le pays. En ce moment-là, on va renforcer le mécanisme de la fiscalité pour que l'assiette fiscale est matin. Il y a moins de 5 millions de Congolais qui sont salariés. Et là, on suit les alliés. Il n'y a pas de politique, il y a production. Au moins, aujourd'hui, le produit le produit halieutique ou le poisson. Le poisson des mers. Le poisson. Et les alliés sont dans la production, ils sont dans la culture et la calaté. Avec les atouts que nous avons, nous avons la pêche, la pisciculture et l'aquaculture. Nous avons des produits mis partout. Partout, mais dans le monde, tu as produit un bis. Tu as un bassin. Tu as un bateau, un yébi, Le problème, c'est qu'il faut maintenant amener cette culture-là. Que les Congolais vont comme à niveau. Et aujourd'hui, il n'y a pas de politique cohérente. Moi, je me souviens tout ça, qui un projet avec les Égyptiens. Tu as produit 120 000 tonnes. À niveau à littoral, c'est-à-dire à niveau à fleuve Congo, à côté à Nséléa, entre Massina et Nsélé, à Maluku. Quand on arrive à Maï, on arrive à Koto. Il y a une étude de faisabilité. On a démontré qu'il y avait possibilité de produire, car avec le système à la cage, 120 000 tonnes de poissons. Mais le politique va intervenir. Pourquoi? Parce que dans l'importation à Bambisi, il y a un circuit qui s'est créé. Les familles, il y a soi-disant des dirigeants, ils jouent à l'avantage parce que Bango, avec le son carton et Thompson, vers Mbolo, Motoving à Thompson, il y a Chincha, qui a son Bango par exemple, il y a 3 dollars. À côté, il y a 40, 50 dollars ou 37 dollars. Qu'on investit pour gazer la bataille et belle, on a préféré maintenant tout ça. Ce qui veut dire que les importateurs, il y a un produit, on a une initiative, il y a un produit local. Et puis, le remorque est livré. Il faut avoir des chalutiers. C'est ce qu'on appelle le bateau de pêche. Le bateau de pêche, tu es dans le même prix. Non. Ils ont un chalutier industriel, ils ont un chalutier semi-industriel, ils ont un chalutier simple, ils ont un chalutier moyen, ils ont un chalutier simple moyen. Et Zali, est-ce que le bateau moussous de pêche, il y a Mickey, il y a 100 000 euros. Mais il n'y a aucune politique. Quelle est la place à ministère de l'agriculture? Donc, il y a qui dans Maputo. Tant qu'on va sur l'agriculture. Pour que le pays ait comme la capacité à accroître leur productivité, et c'est là qu'il y a un pays qui va prévoir au moins 10% du secteur agricole. Pour que va renforcer leur capacité à production. Mais le Congo n'a jamais atteint 10%. Je me souviens tout ça, quand effort avec un budget à 7 milliards 500 millions à l'époque, tout ça qui est fort pour que le budget batte à 750 millions. Mais sur les 750 millions, batte à qui 500 millions de dollars et apport extérieur. Merci beaucoup. Population qui s'engage parce que Bazaki préparé te na bolingo ya mboka kolinga mboka za ko yeba mboka na yo pona ko yeba mboka na sengeli ofanda na bato ba ko sala ba recherche oya yelo recherche ne wana yelo tango ko koma yo pepe ne sika wana obite ata forêt na ko ki ko développer forêt na ko ki ko sala ba ko za na posate moto a bloqué prochainement na za site ko beta li solo ya différence entre forêt ya Amazon na forêt ya République démocratique du Congo, pourquoi communauté internationale écoute ça mis sous mingité na forêt Amazon, mais écoute ça mis sous na forêt République démocratique du Congo. Trobet ali solo ya loi numéro 011 ya 2002 na 29 août 2002 total ce qui est important pour na ya ba congolais toté
tokobeta ba masolo wana prochainement ezali tokolimbo la mwanda mbu ezaki na livre ya ndeko Alain Bolodjwa abimisi nyoso te abimisi ndambo ya makanisi po livre za combien de pages 277 pages to solo 278 en fait auto solo les akaka au moins 10 pages mais pour comprendre le logo moko yango to ko tsaba série émission oyo auto ko lobela batu te meto ko pesa mayele po kongola ko pa kulutu Bolodjwa pona moto alingi azo livre na yo to liloba na yo sukana numéro de téléphone en tout cas na sepeli na na mot malobo oti ko loba par rapport à comment servir le Congo. La meilleure manière, c'est-à-dire qu'il faut connaître pour mieux servir le Congo. Il faut vraiment battre ça l'effort, tout ça la bisogno sur l'effort, tout le cas le Congo. Parce que si tu es Congo, tu es pas servi à monté. Mais bien comme tu es là, tu as déjà. L'effort, malheureusement, tu es là, tu es là. Bateau basan a posé à cause de livre. Jusque-là, bateau basali n'accès, basan a possibilité à couper sa vie livre. Bateau basali est en France, en Belgique. Bateau beaucoup en a Edgar. Mokondi, hier Azali n'a pas quelques livres Azali n'ango. Merci Penayo qui déjà était là qui boit Azali qui n'ango. Et puis Tozali na Richard Okuto, hier Azali na Belgique, hier Père Azali na quelques livres. Je crois que tu peux couper ça par numéro pour que permettre Batuba, Bakoye Bako contacter Bamo. Bon numéro de téléphone. Ah bah numéro Edgar Mokonzi, pour mon numéro Edgar Mokonzi, na ndeko eko le kanase, mais numéro non kulutu ale Bolodjwa, so ma koko oui. Nga yo pour petit de la bonne numéro. Ok, numéro nanga ezali plus 243 81 250 28 51. Merci beaucoup. Ezalaki émission Tolobela politique. Po nous surtout ezal politique. Soko boyi politique et kulandoti na sanye yango yo tobimisa tokundola o ezana metu yabana mboka Congo yope o ezana livre oyo eko sunga bana Congo baye bana. Vous pouvez passer na émission oyo mena kulutu Bolodjwa toko kenene tisuka ba o bolinga kulutu Bolodjwa bo partager émission o koza émission o abimisi boyé. Lukateka kanga na linga kaita ngwa defenda kama moto boenga na lukaka, me yamala mu luka o linga kaita ngwa ko defendre oeza mayele na ye oeza li ba recherche nepo yangonde za motuya na yabino trésor King Bukele kolo Congo héritier yamboko Congo nini na koebisa bino soki bango baleki biso na mbongo baleki biso na kibokonzi baleki biso na mituka baleki biso na kitoko po nzambe nde moto apesi bango po ngonga na bango ekoki tope ope nzamba pesi te lokuta na emo yibine ekoki ndazwango biso to lekiba onkane loko moko bolingo ya Congo bolingo ya Congo na motema yango wana nde na yebisi bino bai tokutani mbalasi.